Bonjour à tous, Jean-Michel Huette, associé chez Bearing Point et président de la commission numérique du CIAN. Ravi de vous retrouver ce matin. C'est la deuxième ou troisième conférence de l'année. On avait fait une en mars et puis il y en avait une un peu particulière qu'on avait fait cette semaine aussi avec nos amis de Monaco. C'était mercredi, alors c'était plutôt sur les aspects infrastructure. Ravi d'être avec vous ce matin pour donc la deuxième officielle de l'année commission numérique du CIAN. Et le thème de la journée, c'est les moyens de paiement en Afrique. On va parler d'argent. Il y a un sujet clé parce qu'on va voir que c'est des questions qui à la fois concernent les acteurs du marché, il y en a autour de la table, mais également des enjeux économiques, sociaux, sociétaux même importants, en termes notamment d'inclusion financière. On a un très beau panel ce matin avec des acteurs qui représentent les différentes facettes de ces questions. Les fournisseurs de solutions, les fournisseurs de services, les experts, les régulateurs. Alors, nous avons quatre intervenants. Je vous rappelle grosso modo le mode de fonctionnement de la commission. On va échanger ensemble pendant une petite heure. Et puis après, il y aura, si j'ose dire, des questions avec la salle. Alors, le mode webinaire ne fait pas des questions en direct, mais vous avez dans votre menu au milieu en bas Q&R, questions et réponses. Donc, ce que je vous propose, alors utilisez plutôt celui-là plutôt que discussion, parce que ça nous évite de jongler sur les deux. La discussion, vous pouvez discuter, vous avez le droit. Mais Q&R, c'est pour poser des questions. Il n'y en a pas encore pour l'instant, mais ça va venir, j'imagine. Et on consacrera la dernière partie du webinaire à répondre à ces questions. Et on essaye de respecter, comme d'habitude, et de finir pile à l'heure pour vous permettre ensuite de partir dans vos jobs et missions respectives. Nos quatre intervenants du jour, je les présente. Hakima El Alami, directrice des moyens de paiement de la Banque centrale du Maroc, donc j'imagine depuis Casablanca aujourd'hui. Bonjour Hakima. Bonjour. Et Nous avons. Pardon? c'est aussi de l'inclusion financière. Et l'inclusion financière, justement, c'est un bon sujet, on va en parler tout à l'heure. Nous avons aussi Nadia Doche, directrice des opérations de Wave en Côte d'Ivoire, donc j'imagine depuis Abidjan. Bonjour tout le monde. Et merci d'être là parce qu'à Abidjan, il est 7h30, c'est un peu tôt. Nous avons aussi Mickaël Nassiri, expert en paiements digitaux, notamment pour la Société financière internationale. Bonjour Mickaël. Bonjour. Et tu es où géographiquement? Là, pour le moment, je suis à Casa et de passage à Casa, je vais dire. D'accord. Je passe à Casa et je bouge beaucoup en ce moment sur les pays africains, notamment. D'accord, très bien. Et pour compléter ce panel, Gilles Réan, qui est le Innovation Leader de HPS. Bonjour Gilles. Tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Et géographiquement, tu es où? Je suis à Casablanca. Donc, Ah, bah donc il est 8h30. on Oui, est je sais. 8h30. C'est vrai que ça peut être Trois bizarre. Casaouis et une Oui, Abidjanaise. tout à fait. Voilà, c'est ça aussi l'intérêt de pouvoir faire des webinaires, parce qu'en physique, ça aurait été beaucoup plus compliqué à faire. Je vous propose de consacrer notre heure de discussion autour de trois grands thèmes. Hein. D'abord, faire un petit état des lieux des moyens de paiement et des paiements notamment digitaux en Afrique. Je pense que dans l'assistance, il y a des gens qui connaissent bien le sujet, mais il y en a d'autres un peu moins. Donc, c'est bien aussi de faire un état des lieux. On a quand même un très beau panel, donc c'est l'occasion. Ensuite, de voir quel est le rôle des différents acteurs et comment ça peut se compléter. On sait que le paiement mobile, depuis 15 ans que c'est lancé en Afrique, des fois il y a des tensions, des fois ça marche bien, on va en discuter. Et puis de voir quels sont à la fois les principaux freins, les principales axes d'évolution dans les prochaines années. Et puis peut-être même, est-ce que dans tout ce qui est inclusion financière, on ne peut pas aller au-delà des simples moyens de paiement. Donc, voilà les 4-5 thèmes que je propose d'aborder dans l'heure. On va peut-être commencer par une question sur la vision de votre vision d'aujourd'hui sur l'ensemble du continent. Quel est un peu l'état de l'art des paiements digitaux? Alors peut-être commencer, on a un expert, c'est Mickaël, peut-être en quelques mots, Mickaël, nous dire toi ta vision de où est-ce qu'on en est aujourd'hui des paiements digitaux en Afrique. Donc, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là. Sur disons les moyens de paiement aujourd'hui qui se développent en Afrique. Bon, d'abord, ils se développent de manière très différenciée, hein. On n'a pas une unicité au niveau du continent. On va voir la carte qui continue à se développer sur les pays d'Afrique du Nord, donc au Maroc, en Tunisie, en Égypte en particulier. Où on a eu et on a connu donc une véritable accélération pendant la période de la pandémie et des confinements.
qui ont vu le paiement sans contact notamment, mais également le e-commerce se développer de manière assez importante, donc avec des utilisateurs porteurs de cartes, donc principalement bancarisés. Et on a également donc une nette augmentation de l'équipement des commerçants en terminaux de paiement, et on verra tout à l'heure que ces terminaux de paiement aujourd'hui permettent de faire à la fois de l'acceptation de paiement par carte, mais également des paiements sans contact avec des applications sur smartphone et notamment sur donc l'acceptation de mobile wallet. En Afrique subsaharienne, donc comme tu l'as dit, Jean-Michel, le mobile money, le mobile payment continue donc sur sa lancée depuis bientôt 15 ans. On voit, disons, le mobile money s'installer de manière assez consistante en Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Est, et avec un essor très régulier et continu. Donc, bien que l'équipement en smartphone est encore relativement faible, je vais dire, par rapport à d'autres pays occidentaux, on a de très très belles solutions donc, qui tournent sur des solutions USSD et qui sont en train de migrer. Donc, je pense que Nadir pourra nous en parler tout à l'heure, où on voit des acteurs qui migrent aujourd'hui sur des solutions de paiement mobile sur des smartphones. Donc, ce que l'on constate, donc, comme je l'ai dit, en Afrique de l'Est, en Afrique subsaharienne, c'est principalement le développement du mobile money qui est extrêmement dynamique, avec des services financiers de base et de plus en plus un focus sur le paiement commerçant, donc qui commence à se développer. On avait auparavant plutôt des transactions de peer-to-peer, enfin de transferts de peer-to-peer, que ce soit dans les pays ou interrégionaux, donc sur les zones où il y avait une interopérabilité de ce type de transactions. Et de plus en plus, donc, comme je l'ai dit, on a donc les différents opérateurs qui travaillaient plutôt en closed loop, qui vont vers un peu plus d'interopérabilité, un peu plus de paiement chez les commerçants. Au niveau du terrain, donc ce que l'on constate et qui est vraiment remarquable, c'est le développement de l'agency banking. Donc, ce sont tous les déploiements de services financiers de base auprès des petits commerces de proximité, donc qui sont équipés à la fois par des banques, mais aussi par des MNOs, enfin des opérateurs de mobile money, ou par des fintechs qui développent des solutions donc à déployer auprès de ces agents. On a également donc des nouveaux acteurs, on en parlera tout à l'heure, donc des facilitateurs de paiement ou des agrégateurs de commerçants ou de facturiers qui développent aussi des solutions de paiement accessibles à la fois par carte bancaire, mais également et surtout par à travers les wallets mobiles. Et donc dans cette dynamique et dans ce formidable laboratoire de solutions que l'on a en Afrique, on voit on commence à sentir en tout cas les freins, les zones de friction, comme tu l'as dit tout à l'heure, entre les différents acteurs. On aura l'occasion de détailler tout ça, mais ce qui est notable et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une réelle volonté en tout cas d'améliorer les infrastructures d'interopérabilité entre les différents écosystèmes, donc l'écosystème bancaire et l'écosystème donc de mobile money, avec bien entendu donc toutes les opportunités d'interconnexion entre les wallets et les comptes bancaires, avec tout ce que cela peut générer comme opportunité transactionnelle. On voit de plus en plus donc cette convergence donc entre ces deux écosystèmes, et il se manifeste particulièrement par l'approche des schemes internationaux avec les opérateurs de mobile money. On voit de plus en plus donc des solutions wallet couplées à des cartes, que ce soit des cartes digitales ou des cartes physiques, qui permettent donc d'ouvrir de nouvelles opportunités pour les porteurs de mobile wallet pour aller sur Internet, pour aller faire donc du e-commerce, ou pour avoir accès donc aux infrastructures de retrait des banques notamment, donc avec les distributeurs automatique. Donc voilà donc à grande maille donc la situation. On le verra donc au fil de la du séminaire, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup aussi d'ambitions, beaucoup d'innovations donc qui sont lancées sur le marché, avec des initiatives de monnaie digitale de banque centrale, avec un certain nombre d'agrégation de secteurs d'activité, où on va voir des solutions de paiement qui
converger avec des verticaux qui sont plutôt soit dans le lending, donc dans les prix financiers, soit aussi dans la santé. On a de très très belles solutions, de très très belles, très très beaux partenariats qui sont en train de se nouer sur le continent africain autour des solutions de santé, de suivi, donc disons des dossiers médicaux, de suivi des actes médicaux pour les porteurs. Donc voilà, c'est vraiment, comme je l'ai dit, un formidable laboratoire de solutions et d'innovations. On aura l'occasion. C'est clair que c'est pas un domaine où on s'ennuie et où il se passe absolument rien. Et surtout, c'est un domaine où il faut aller vite et on verra que. La vitesse est un enjeu important, la vitesse et l'agilité, et c'est là où il y a des choses intéressantes et des challenges pour les banques notamment et pour les infrastructures déjà installées qui sont questionnées aujourd'hui sur comment elles doivent accompagner ou comment elles peuvent accompagner cet essor et cette nouvelle dynamique. Merci, Mickaël. Gilles, quelques éléments complémentaires. D'abord, sur cette vision un peu panafricaine. Et peut-être, Gilles, en 10 secondes, HPS, c'est quoi? Parce que je ne suis pas certain que tout le monde connaisse. Donc, quand même, oui, votre rôle sur la chaîne de valeur. Bien sûr, bien sûr. HPS, c'est donc une entreprise multinationale marocaine qui fournit des services de paiement, donc du payment as a service, mais également qui est éditeur de solutions de monétique et qui propose ses services dans plus de 90 pays dans le monde, pour plus de 450 institutions financières. Aujourd'hui, donc moi, chez HPS, je travaille au sein du département innovation qui a comme vocation à trouver des nouveaux services de paiement à fournir à nos clients existants et à nos clients futurs. Voilà, et donc on a d'autres en France, mais également au Moyen-Orient, à Johannesburg, en Asie, etc., etc. Donc effectivement, l'Afrique est un continent qu'on connaît bien, on y fait un tiers de notre chiffre d'affaires. Et donc oui, pour compléter l'analyse de monsieur Nassiri qui a déjà quasiment tout dit, je voulais compléter peut-être en donnant quelques chiffres. Alors j'ai parlé de l'Afrique de l'Ouest, et effectivement ce n'est pas l'Afrique dans son ensemble, mais ça donnera quand même une petite idée. Parler du taux de bancarisation stricte, donc le nombre de personnes de 15 ans et plus qui possèdent un compte bancaire, et la distinction, enfin préciser que c'est un compte bancaire, comme on l'a dit, c'est extrêmement important en Afrique, de parler les différents types de services financiers qui sont accessibles à la population africaine. Donc le taux de bancarisation stricte fin 2020, il était un petit peu moins de 20%, il était à 19%. Le taux de bancarisation élargi, donc c'est-à-dire on prend ces comptes bancaires et on va rajouter les personnes, donc toujours de 15 ans et plus, les personnes adultes qui ont pris des services auprès d'instituts de microfinance, on arrive à un petit peu moins de 40%. Et enfin, si on rajoute les fameux services de monnaie électronique, donc tout ce qui est ce qu'on appelle la mobile money, qui est fourni principalement en Afrique par les opérateurs de téléphonie mobile, mais pas que. Je pense qu'on parlera probablement du troublion Wave qui a un petit peu disrupté le marché. On arrive à peu près 64%, donc un petit peu moins de deux tiers de la population majeure, enfin en tout cas adulte, qui possède aujourd'hui un accès à des services financiers, que ce soit par le biais d'un compte bancaire, de services de microfinance ou d'un compte de mobile money. J'exclus volontairement tout ce qui est ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Donc, même si effectivement il y a certains pays, je pense notamment à la République centrafricaine qui a récemment pris la décision d'accepter la crypto-monnaie la plus connue, le Bitcoin, comme étant l'une des devises officielles du pays. Aujourd'hui, les crypto-monnaies en Afrique comme ailleurs sont utilisées principalement à des fins spéculatives et non pas à des fins d'achat ou de vente, comme le serait une monnaie fiduciaire classique. Merci beaucoup Gilles. Maintenant, je voudrais qu'on fasse deux focus pays, puisqu'on a aussi des représentants de certains pays. On va commencer par le Maroc. Hakima, votre vision aujourd'hui de où en est le Maroc justement sur ces questions des paiements digitaux, sachant que la particularité du Maroc, c'est un pays où il y a déjà naturellement un bon niveau de bancarisation. Qu'évoquait Gilles, on est plutôt au Maroc à plus de 65. Donc, est-ce que les paiements digitaux commencent à se développer au Royaume? Merci
En fait, le Maroc, on avait une vision stratégique du développement des moyens de paiement électronique depuis une dizaine d'années, depuis presque le premier plan stratégique de la Banque centrale qui a été mis en place en 2003. Donc, il y avait cette vision parce qu'on était conscient d'abord de l'apport des moyens de paiement électronique sur la croissance économique. Il y a des études qui montraient que les moyens de paiement électronique pouvaient apporter un plus à la croissance économique, et les paiements électroniques étaient aussi les paiements électroniques et les services financiers digitaux de manière globale étaient un vecteur d'inclusion financière. Et donc, cette vision-là, il fallait se traduire, et c'était un peu ce qui a facilité également les échanges et le développement des moyens de paiement électronique, c'est-à-dire les infrastructures de marché. On a commencé par le développement d'une infrastructure de marché qui soit robuste, résiliente et qui était là pour assurer un développement résilient des moyens de paiement électroniques. On a commencé d'abord par la mise en place du G-SIM. C'est, pour les gens qui ne le savent pas, c'est l'infrastructure qui permet les échanges électroniques de l'ensemble des moyens de paiement en dehors de la carte. Et vous avez l'infrastructure qui a porté l'interopérabilité de la carte, et c'est très important parce qu'on ne peut pas parler de développement de moyens de paiement électroniques avec une fragmentation de marché si les moyens de paiement ne sont pas interopérables. Et donc, l'interopérabilité à la Banque centrale était un prérequis pour le développement du marché. Donc, HPSS est venu porter l'interopérabilité de la carte et du moyen de paiement, plutôt du mobile money récemment, c'est-à-dire il y a 3 ou 4 ans de ça. Donc, ça, c'est véritablement pour l'infrastructure, et ça a porté ses fruits parce qu'on est sur un développement des moyens de paiement électroniques à deux chiffres depuis des années. Si on peut zoomer sur cette structure-là, nous avons le virement qui, pour la cinquième année consécutive en 2021, a gardé sa première place par rapport à l'ensemble des paiements structuraux échangés. On est à 45% des échanges contre plutôt 46,5% des échanges contre 45,3% l'année dernière. La carte bancaire, en termes et là je parle que des paiements, on est à 31% des échanges, ce qui est très très important. Et le chèque, qui en fait, parce que la vision était de développer les moyens de paiement électroniques, non pas le moyen de paiement structurel qui est le chèque, donc voilà. Et on le voit, le chèque a régressé en nombre à 9% des échanges. Et cette baisse est partie, bien sûr, comme je l'ai dit, au profit des autres moyens de paiement, et comme je l'ai dit, le virement et la carte. La baisse s'est accentuée en 2020, mais dans le contexte de la crise sanitaire, parce qu'on a vu que la crise sanitaire a donné un accélérateur au paiement électronique, et notamment la carte, et notamment les paiements sans contact, parce qu'on a vu que pendant cette année-là, alors que le paiement sans contact venait à peine d'être mis en place en 2019, il s'est accéléré s'est multiplié par 7 cette année, et la multiplication, on va la voir, elle n'arrête pas, enfin, les paiements sans contact n'arrêtent pas d'augmenter. Si je veux zoomer sur la carte, essentiellement aussi, c'est important, c'est juste pour montrer le développement des transactions par carte. L'ensemble des paiements par carte a augmenté de 31% en nombre et 25% en valeur. Et ça englobe l'ensemble des paiements, y compris les paiements sur GAB et ceux en ligne. On est quand même à 106,9 millions d'opérations pour une valeur de 40 milliards d'opérations.
Le paiement sans contact, comme je l'ai dit, juste pour le chiffre, on est à, il a passé quand même de 15% sur les transactions faites par TPE en 2020 à 36% en 2021, ce qui est quand même extraordinaire. Et on est à 30,4 millions d'opérations en 2021 contre 9,9 millions en 2020. À côté de ça, et on était conscient aussi que il y avait aussi des populations, et je vais revenir tout à l'heure peut-être un peu plus en détail, sur le paiement mobile, le paiement mobile est véritablement, et on a identifié le paiement mobile comme un pilier dans notre stratégie nationale d'inclusion financière, étant donné d'abord parce que les plus, on va dire, de manière de commodité, de coût, le paiement mobile est bien sûr les montants sur lesquels il peut servir, c'est-à-dire les paiements de très très faibles montants. Nous avons mis un certain nombre de commissions pour accélérer à la fois l'adoption du paiement mobile et son usage. Avec un certain nombre de réformes, parce que d'abord il fallait introduire, on va parler tout à l'heure sur les acteurs peut-être, on a quand même introduit un des sous-bassements de ça au Maroc, c'était d'abord d'introduire une nouvelle catégorie d'acteurs qui sont des acteurs non bancaires, qui peuvent ouvrir des comptes de paiement et fournir des services de paiement adossés à ces comptes. Donc depuis le temps, c'est-à-dire que depuis le lancement de ce projet, avec les agréments qui ont été donnés au Maroc à ces établissements de paiement, on est quand même à 19 offres et mwallets maintenant sur le marché, dont 13 qui sont émises par des établissements de paiement. L'encours, on est quand même à 6,3 millions de mwallet qui sont émis, soit presque les mwallet ont progressé, ont doublé en 2021 par rapport à 2020. Et puis peut-être sur on va dire la structure des transactions qui sont effectuées par ces mwallet là. On est sur quand même 4,9 millions d'opérations qui sont effectuées par les mwallet contre 1,4 million l'année dernière et pour un montant total de 1,1 milliard, ce qui est quand même qui est quand même très important. Et sur cette structure-là, nous avons l'essentiel qui est en fait 81% des transactions effectuées par mwallet concernent le paiement de facture. Essentiellement le paiement, mais dans les paiements, on va trouver le paiement de facture, suivi par les transferts de mobile to mobile à 19%. Et les retraits GAB sont pratiquement, on va dire, quasi nuls, avec une part qui avoisine 0,9% du total des transactions. Ça confirme un peu ce que disait Michael tout à l'heure, on n'est plus seulement du peer-to-peer, mais qu'il y a vraiment une logique ou de paiement marchand ou de facturier. Voilà. Merci beaucoup, Hakima. Maintenant, je propose d'aller en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un cas intéressant parce qu'à la fois, c'est le pays francophone qui, depuis le plus longtemps, a du paiement mobile. Hein. C'est là qu'Orange avait lancé Orange Money en 2008. On parle souvent du Kenya, mais on peut aussi parler de la Côte d'Ivoire. Et on a Nadia Doche qui va nous dire un peu sa vision de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et peut-être aussi, comme on l'a fait avec Gilles, en quelques mots, présenter Wave, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse, donc c'est l'occasion. Nadia. Merci Jean-Michel, bonjour tout le monde. Donc effectivement, par rapport à la Côte d'Ivoire, si on regarde un peu le paysage des services financiers en Côte d'Ivoire, on peut dire qu'il est relativement mature par rapport à la sous-région. Donc on a effectivement tout ce qui est banque, tout ce qui est microfinance et tout ce qui est mobile money.
Donc, le mobile money, comme disait tout de suite Jean-Michel, ça existe en Côte d'Ivoire depuis 2008, surtout par les opérateurs de téléphonie. Et pour donner un peu un chiffre sur la Côte d'Ivoire, le mobile money représente près de 50% du total des volumes de transactions de mobile money et des utilisateurs qui sont enregistrés dans la région. Donc, ça montre quand même le développement du mobile money ici en Côte d'Ivoire. Et comme le disait Gilles tout à l'heure, donc c'est vraiment les opérateurs de téléphonie mobile qui étaient dans ce secteur. Et depuis quelques années, on observe les fintechs, notamment Wave, qui sont ou plus spécialisés, on va dire, sur justement ces services financiers numériques. Si je parlais un peu de la Côte d'Ivoire et de l'évolution des paiements digitaux en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on observe vraiment une évolution sur les 10 dernières années, sur l'ensemble de ces paiements. On compare à 10 ans aujourd'hui, quand on est que ce soit à Abidjan ou que ce soit dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire, beaucoup de commerces aujourd'hui vont proposer des solutions de paiement digital. On va dans les supermarchés, les restaurants, les hôtels. Aujourd'hui, on peut payer notamment par carte bleue, même si c'est vrai qu'il y a quand même des défis technologiques comme la couverture réseau, notamment à l'intérieur du pays. Mais c'est vrai qu'on voit quand même une évolution dans le paysage de la Côte d'Ivoire sur l'accès à ces paiements qui n'était pas le cas forcément il y a 10 ans. Aussi en Côte d'Ivoire, on a une vraie volonté de l'État ivoirien qui a une ambition en fait de développer les moyens de paiement en Côte d'Ivoire et qui en fait même une stratégie au sein même des institutions étatiques. Donc il y a beaucoup de projets en cours aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour digitaliser tous les paiements. Donc pour donner qu'un exemple, aujourd'hui l'État travaille sur les paiements des taxes par les marchands via des canaux digitaux. Pour l'État ivoirien, le paiement digital, ça permet bien sûr plus de traçabilité et puis aussi moins de corruption. Donc, c'est quelque chose qui est important et je pense que l'État ivoirien en fait une priorité. Et nous, on le voit bien, en tout cas, dans notre secteur, il y a énormément d'évolutions qui sont faites, même au niveau de la régulation, de plus en plus dans ce secteur des paiements digitaux. Tout à l'heure, Mickaël parlait du e-commerce, donc je vais quand même en parler pour la Côte d'Ivoire. Il y a 10 ans, on a une entreprise de e-commerce qui s'est installée dans la sous-région, pour ceux qui, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais Jumia. Jumia, ça fait 10 ans que Jumia est dans le pays, et en Côte d'Ivoire, ça a énormément pris d'ampleur le e-commerce. Ça a permis en fait de démocratiser l'accès aux produits sur l'ensemble du territoire. On sait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est quand même très centralisée sur Abidjan. Donc, l'intérieur du pays n'avait pas forcément accès à tous les produits, mais aussi avec des coûts qui étaient beaucoup plus chers. Et aujourd'hui, le e-commerce a beaucoup démocratisé ça en Côte d'Ivoire et c'est quelque chose qui a pris énormément d'ampleur. Pour vous donner un peu l'ampleur du e-commerce en Côte d'Ivoire, Jumia aujourd'hui, c'est le troisième site le plus visité en Côte d'Ivoire après Google et YouTube, donc même devant Facebook. Et on a énormément d'engouement. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que même si le e-commerce est devenu un canal d'achat important en Côte d'Ivoire, le paiement digital en ligne reste très faible. On peut aujourd'hui payer sur ces plateformes par carte bancaire, on peut payer par mobile money, mais on a plus de 90% des utilisateurs qui veulent payer à la livraison. C'est lié à un manque de confiance aussi sur ces canaux digitaux où la personne préfère payer une fois que le produit est là. Donc aujourd'hui, sur tout ce qui est paiement digitaux, il y a quand même des choses qui se développent sur la livraison. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de développer le paiement digital à la livraison pour pouvoir s'adapter en fait à ces inquiétudes qu'il y a sur le paiement. Donc il y a quand même encore beaucoup à faire, même si le e-commerce se développe, c'est pas forcément un signe de développement en tout cas des paiements digitaux sur ce secteur. Pour parler plus des fintechs, en fait, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est l'arrivée en fait sur le marché de fintech comme Wave. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'était beaucoup les opérateurs de téléphonie qui étaient dans le secteur du mobile money. Ce que Wave a changé, on va dire, dans le paysage ivoirien, c'est principalement l'accès aux services de ce paiement, de ce service financier, l'accès par des prix. Donc, Wave est arrivé avec une offre qui est très abordable, pour justement permettre cette inclusion financière qui est pour nous quelque chose de très clé de notre avancée. Donc, on est arrivé sur le marché en proposant la gratuité des dépôts et des retraits. Donc, cette gratuité, c'était pour permettre à
n'importe qui en Côte d'Ivoire de pouvoir sécuriser son argent et de pouvoir le retirer sans aucun frais. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Aussi, la possibilité de faire des transferts, donc le P2P, personne to personne, à des frais qui sont très, très bas. Donc aujourd'hui, 1% de Côte d'Ivoire. Donc c'était vraiment une volonté de démocratiser l'accès à ces services financiers pour l'ensemble de la population ivoirienne. Et ce qui est important aussi, donc tout à l'heure, ça avait été mentionné, donc c'est vrai qu'il y a la logique des smartphones. Donc nous, on n'est pas sur une technologie USSD, mais on est plus sur une technologie smartphone et QR code. Aujourd'hui, la pénétration du smartphone, donc c'est vrai que la pénétration du on va dire, de les personnes qui possèdent un téléphone, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le taux est très important, mais pas forcément sur la possession des smartphones. On en parlera tout à l'heure par rapport aux freins, etc. Mais les smartphones aujourd'hui, ça reste quand même un produit qui est cher pour l'ensemble des Ivoiriens. Donc, ce que Wave a permis aussi, c'est que aujourd'hui, même si on n'a pas un smartphone, même si on a un téléphone de première génération, on peut quand même accéder à l'offre Wave par des cartes justement physiques qui possèdent un QR code et qui peuvent être accessibles à tout le monde sur l'ensemble du territoire, qui permet justement d'accéder à ce service gratuit, de pouvoir déposer son argent et de pouvoir le retirer. Ce qui a changé aussi, c'est la possibilité en fait de posséder un compte qui n'est pas forcément lié à un opérateur de téléphonie. Donc aujourd'hui, quel que soit l'opérateur qu'on a, on peut quand même utiliser la solution Wave. Ça aussi, je pense que c'est une avancée, c'est quelque chose qui change aussi dans la façon de consommer en fait ces produits financiers. Si on peut regarder quelques chiffres, donc tout à l'heure, Gilles donnait des chiffres un peu plus globales pour la sous-région. Si on regarde plus la Côte d'Ivoire, on a plus de la moitié des personnes de plus de 15 ans qui affirment posséder un compte dans une institution financière. On a 40% des personnes qui affirment en Côte d'Ivoire posséder un compte mobile money. Donc, compte 34% en 2017. Donc, on voit qu'il y a une évolution qui existe, mais pour autant, par rapport au potentiel du marché, cette évolution, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Si, quand on regarde aujourd'hui, la majorité des personnes en Côte d'Ivoire, donc notamment le secteur hors du secteur formel, n'a pas accès à ces paiements digitaux. Il n'y a pas de paiement digital, par exemple, au marché, ni dans des business qui sont moins structurés. Si je veux comparer un peu par rapport au Kenya notamment, qui est quand même plus en avance que nous sur ce secteur, on peut payer au marché avec des paiements digitaux, on peut même payer son café. On est encore loin en Côte d'Ivoire d'arriver à ce niveau-là, donc le potentiel, il est énorme. On va en parler tout à l'heure, les freins qui existent pour qu'on avance plus vite sur ça. Les freins sont technologiques, ils sont liés à la couverture aussi Internet, à l'accessibilité des paiements, que ce soit en termes de prix ou une accessibilité géographique. Donc, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais donc voilà un peu pour le paysage aujourd'hui des paiements digitaux sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Nadia, et ça confirme bien l'impact que ça a entre les chiffres des gens bancarisés et maintenant les gens qui ont accès à des services financiers, quel que soit le format. Je voudrais qu'on revienne maintenant un petit peu sur le rôle des différents acteurs. Alors, Akima, je vais poser une question piège. Vous, en tant que banque centrale, vous voyez au Maroc comment travaillent les banques et les opérateurs télécoms. Est-ce qu'ils arrivent à travailler ensemble, ces gens-là? Oui, je pense. c'est-à-dire que, d'abord, les opérateurs telco, peut-être une nuance par rapport à ceux qui peuvent offrir les services de paiement. Ce sont les acteurs qui sont agréés par la Banque centrale. Et donc, les acteurs qui sont agréés par la Banque centrale, bien sûr, on les a énumérés, c'est énuméré au niveau de la loi bancaire. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est pour pouvoir amener une compétition au marché et aux services, bien sûr, de consommateurs. La grande réforme, c'était une des grandes évolutions au niveau du Maroc, c'est d'introduire au niveau de la loi bancaire cette notion d'établissement de paiement. Les établissements de paiement, c'est en fait des acteurs, soit ce sont les ex-sociétés qui faisaient du transfert de fonds purement, soit ce sont des acteurs, des nouveaux acteurs qui sont soit adossés à des banques, on en a eu, mais également les trois acteurs qui sont filiales des télécoms. Et on a eu aussi les purs players. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est conscient qu'on a besoin de cette compétition, on a besoin de cette concurrence
Et on ne peut le faire que sur la base, bien sûr, de ça doit être fait sur une base saine, d'où la réforme, parce qu'in fine, il s'agit bien sûr de la protection, d'offrir des services résilients, d'offrir des services de bonne qualité, bien sûr, tout en protégeant le consommateur, parce qu'il y va aussi de la stabilité du système dans sa globalité. On ne peut pas parler d'inclusion financière alors qu'on est sur des choses fragmentées ou on est sur un taux de fraude qui est énorme. C'est pour ça que nous devons, que la compétition doit se faire sur une base saine au profit du consommateur. Donc, on est bien sûr sur une, on va dire, les acteurs traditionnels ont toujours peur au départ des nouveaux acteurs et c'est un peu dans la nature humaine. Mais bien sûr, quand la compétition est là, ça permet aussi d'améliorer les services qui sont offerts. Et on l'a vu aussi avec l'ouverture des telcos au Maroc. On avait un acteur historique pendant très longtemps. L'introduction des nouveaux acteurs au niveau des telcos a permis l'amélioration des services et a permis, bien sûr, d'améliorer la couverture. Et vous savez très bien que nous avons besoin de cette couverture-là pour améliorer les services financiers digitaux. Et au-delà des services, moi, je vais parler aussi des régulateurs. Et nous avons vu que les régulateurs à la fois financiers, c'est-à-dire Banque Al-Maghrib, et les collègues de la régulation des telcos étaient là. On était autour de la table également pour le service, le paiement mobile, pour le développement du paiement mobile. Il ne faut pas l'oublier, le régulateur telco était là, la NRT était là, et cette collaboration qui continue d'ailleurs, chacun dans son domaine d'activité, sur des domaines qui, bien sûr, sont sous la coupole du régulateur télécom, notamment les SMS, notamment la couverture et la qualité de la couverture, la tarification et bien sûr la condition de l'offre USSD, etc. Des choses qui, bien sûr, si on les voit comme ça, sont séparées, mais en fait, l'ensemble va converger pour le développement de services financiers digitaux. Et bien sûr, vous m'avez parlé que des telcos, mais en fait, on est aussi à l'écoute et c'est très important parce que si on veut développer les paiements, il faut écouter le marché et écouter quels sont les nouveaux entrants aussi. On était à l'écoute, ça a permis de mettre les établissements de paiement, mais aussi il y a un véritable développement des fintechs qui est là et nous avons mis en place d'ailleurs au sein de la Banque centrale et au sein d'ailleurs de la direction que je gère un service dédié au développement des paiements et au fintech. Et l'idée, c'est aussi d'abord de faciliter cet échange avec le régulateur, mais aussi d'écouter les doléances et qu'est-ce qu'on peut faire également pour améliorer le marché sur, bien sûr, un environnement, les enablers, un environnement qui soit favorable et notamment sur le plan réglementaire. Voilà. Merci Hakima, ça me permet une très bonne transition. Justement, ces nouveaux acteurs, les fintechs, votre rôle, Nadia, ton rôle, Web et les autres, les fintechs, vous êtes troublions du marché, vous faites peur aux autres. Alors, il faut savoir que les fintechs n'ont pas pour vocation de remplacer les banques. Aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'on n'a plus forcément besoin d'être une banque pour proposer des services financiers. On peut le faire en partenariat avec une banque ou une entreprise de microfinance. Je pense que la fintech, en fait, arrive là où la banque ne peut pas aller. C'est qu'on a plus de flexibilité, on peut aller plus vite et on peut aller plus loin en termes de géographie. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour une banque d'ouvrir une agence dans toutes les petites zones rurales
d'un pays en Afrique ou dans le plus petit village, chose que nous, les fintechs, pouvons faire avec la flexibilité qu'on a de la gestion d'un réseau d'agents indépendants avec qui nous avons des partenariats. Donc, je pense que c'est plus… c'est un partenariat. De toute façon, on travaille main dans la main avec ces banques et donc je pense qu'il n'y a pas forcément, on va dire, une compétition au sens large qu'on peut dire aussi. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on veut tous l'inclusion financière aujourd'hui sur ces marchés et les banques savent que les fintechs peuvent aller plus dans ce sens aussi. Donc, je pense que vraiment le rôle des fintechs aujourd'hui, c'est de démocratiser les moyens de paiement et de permettre au plus grand nombre d'avoir accès au paiement digital, justement grâce à ces solutions qui sont à la fois faciles d'accès et aussi qui sont plus abordables. La banque reste quelque chose de cher aujourd'hui en Afrique. Quand on demande aux personnes qui n'ont pas forcément de compte bancaire quelles sont les raisons qui expliquent pourquoi elles ne l'ont pas, les trois raisons qui sont mentionnées, c'est premièrement le manque de moyens, deuxièmement, ça va être la distance avec l'institution financière la plus proche, et troisièmement, c'est l'accès à la documentation, qui est aussi un frein aujourd'hui pour ouvrir un compte bancaire. Donc, c'est des choses où nous, les fintechs, en fait, on essaie de lever ces barrières. Pour que les personnes exclues, justement, puissent avoir accès à ces services. Donc, les barrières qu'on a mentionnées, c'est justement le manque de moyens. C'est pour ça qu'on arrive avec des solutions qui sont très peu chères. Donc, comme je disais tout à l'heure, le dépôt et le retrait, par exemple, en ce qui concerne Wave, vont être gratuits. Et puis, la notion de transfert est quand même très, très abordable. Donc, en termes de coûts, on a cette possibilité, cette flexibilité aussi de par notre structure, d'offrir des prix qui sont quand même très bas pour la population. En ce qui concerne le deuxième frein qui avait été mentionné, qui est justement l'accès en termes de distance à l'institution financière la plus proche, aujourd'hui, ce n'est pas évident. Si je regarde la Côte d'Ivoire, c'est vrai que les banques ont beaucoup évolué sur leur présence sur l'ensemble du territoire, mais il y a quand même beaucoup de zones qui n'ont pas accès à une banque et qui doivent prendre un transport en commun, passer 1 heure, 2 heures de route et payer un frais de transport pour pouvoir accéder en fait à leur banque. Donc aujourd'hui, les fintechs qu'on a dans le business model, c'est qu'on travaille avec un réseau d'agents indépendants qui sont en fait partout, qui peuvent être dans le plus petit village. Et c'est avec ces personnes justement qu'on traite. Donc concernant Wave, on a un peu un business model différent. Traditionnellement, il y avait ce qu'on appelle un réseau de distributeurs qui était en relation directe avec l'opérateur téléphonie. Nous, aujourd'hui, on a une relation directe avec l'ensemble des agents du réseau. Donc, si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, on a un réseau de 15 000 agents et on traite en direct avec ces 15 000 agents avec un contrat de partenariat. Donc, ça nous permet justement d'avoir cette agilité et flexibilité qui est beaucoup plus difficile pour une banque aujourd'hui d'avoir un maillage aussi important sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne l'accès à la documentation, qui est le troisième frein aujourd'hui pour ouvrir un compte bancaire dans nos pays, notamment la Côte d'Ivoire, c'est vrai que côté fintech, aujourd'hui, la BCAO nous permet, si une personne n'a pas forcément accès à une carte d'identité, ce qui est quand même un gros frein aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de pouvoir quand même accéder aux services financiers, avec bien sûr des limites, avec des montants beaucoup plus faibles, qui nous permet en fait de mitiger le risque, mais de quand même permettre cette inclusion financière. Donc, je pense que vraiment les fintechs aujourd'hui, c'est essayer d'aller plus loin, là où les banques ne peuvent pas aller, et dans ce but justement de d'inclusion financière et puis de d'inclure en fait toutes ces personnes qui n'avaient pas accès à ces moyens de paiement jusque-là. Merci Nadia. Gilles, les apporteurs de solutions comme HPS, c'est quoi votre rôle ? C'est d'essayer d'apporter des innovations et de faire accélérer le mouvement, c'est ça ? Alors oui, oui, mais pas que. Effectivement, aujourd'hui, les apporteurs de solutions ont comme clients traditionnellement les banques, mais également les fintechs qui viennent frapper à nos portes et qui nous demandent des solutions, que ce soit back-end ou front-end, toujours plus simples à mettre en œuvre, toujours plus avec un time to market toujours plus réduit, notamment lorsqu'elles sont portées par les entrepreneurs avides de se lancer rapidement. On a effectivement en Afrique un tissu entrepreneurial qui est de plus en plus dense, et nous, quand on a des fintechs qui viennent nous voir, nous demandent de plus en plus de faire du payment as a service, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus envie
de développer en interne des solutions de branchement avec les switches locaux, avec les switches régionaux, de branchement avec les banques. Elle voudrait que tout soit prêt et qu'elle puisse se concentrer sur leur métier qui est servir leurs clients, faire une offre qui est dédiée à leur marché ou à leur niche parfois, que ce soit, je sais pas moi, la population étudiante ou les populations non bancarisées. Et donc, effectivement, les apporteurs de solutions telles que HPS se doivent d'avoir des solutions qui répondent à ces problématiques-là. On a également beaucoup de demandes d'utilisation de nouvelles technologies. Alors, je dis nouvelles technologies au sens très, très large, hein, en tout cas, technologies récentes. On a tous eu des personnes qui nous ont demandé des solutions basées sur la blockchain. On pense également donc à tout ce qui est l'apprentissage automatisé pour le scoring des personnes qui veulent demander un crédit ou les personal finance managers. Donc, les apporteurs de solutions doivent avoir des solutions pour ceci. Mais je pense également dans le cadre de l'interopérabilité entre les différents acteurs de cet écosystème, que ce soit les banques, que ce soit les fintechs, que ce soit les retailers, que ce soit même les utilisateurs finaux, les payeurs, ben, tout ceci. On reparlera sans doute de l'interopérabilité un petit peu plus tard aujourd'hui. Pour tout ceci, il faut des standards et il faut des connecteurs. On parle d'open banking, l'Europe même commence à parler au sens un petit peu plus large d'open finance. Et pour ceci, il faut effectivement que les apporteurs de solutions soient prêts et permettent des plateformes simples à intégrer avec des connecteurs à l'état de l'art pour pouvoir avoir un time to market toujours plus réduit. Je terminerai en parlant également des spécificités peut-être de chaque région, chaque population a ses langues, chaque pays a ses langues, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient régionales. Et puis effectivement, l'Afrique a une particularité, donc effectivement d'être assez peu, même si on en a parlé assez longuement aujourd'hui, même si c'est quelque chose qui change, mais d'être traditionnellement assez peu bancarisé, et donc il faut leur apporter des solutions pour encourager les différentes personnes physiques et personnes morales à avoir accès à ces services financiers numériques tout en tenant compte et donc des particularités, comme je le disais, pourcentage non négligeable de la population il existe un pourcentage de la population qui est encore aujourd'hui peu éduquée, voire analphabète. Comme dans tout pays dans le monde, il y a un pourcentage de la population qui peut souffrir de certains handicaps. Et donc, il faut que les services financiers qui soient proposés par les institutions financières, que ce soit les banques ou les fintechs, de plus en plus soient sensibilisés et permettent à ces personnes de ne pas être exclues des services financiers. Et donc, naturellement, il faut que les apporteurs de solutions tels qu'HPS soient au rendez-vous. Merci Gilles. Mickaël, je vois que le temps avance, mais est-ce qu'il y a des acteurs dont on n'a pas encore parlé parmi ces acteurs sur la chaîne de valeur du paiement des paiements digitaux en Afrique? Alors, on a peut-être pas parlé donc du rôle des schemes internationaux et des schemes domestiques, donc pour tout ce qui concerne le paiement par carte ou de plus en plus le paiement par QR code. On voit les schemes internationaux comme Visa, Mastercard, UnionPay qui sont très très actifs pour à la fois sauvegarder leur business, mais également développer de nouveaux streams de revenus, donc en s'associant ou en faisant des partenariats donc avec les nouveaux acteurs, que ce soit les opérateurs de mobile money ou certaines fintechs. Donc, on voit aussi un rôle assez intéressant dans le développement de l'inclusion financière en Afrique qui est porté par ces schemes internationaux. À côté de ça, on a donc des pays qui veulent aussi s'affranchir de cette domination donc de schemes plutôt occidentaux ou américains et qui développent donc des schémas de paiement domestiques qui s'appuient sur des standards locaux ou régionaux et qui permettent donc et qui favorisent justement le développement de ces nouveaux moyens de paiement qui peuvent être associés donc à des wallets ou qui peuvent être donc des compléments donc pour des gens qui sont
qui viennent d'intégrer, disons, les écosystèmes de paiement. Donc, je voudrais revenir sur un point particulier par rapport à l'interopérabilité, et donc l'interopérabilité de ces deux mondes, qui est le monde de la carte bancaire et le monde du mobile money. Aujourd'hui, on le constate, il y a effectivement une véritable volonté donc des banques centrales, que ce soit les banques centrales nationales ou les banques centrales régionales, d'aller vers un peu plus d'interopérabilité et de pousser donc les différents acteurs, que ce soit les banques, mais également les opérateurs de mobile money, les institutions de microfinance et les fintechs, à pouvoir donc s'interconnecter et favoriser donc des échanges et un peu plus d'échanges donc avec entre eux. Ce sont souvent des discours, des ambitions et des volontés qui sont appuyées en très haut lieu, mais qui rencontrent quand même des résistances et des freins, et on en parlera tout à l'heure, qui rencontrent des résistances et des freins qui sont liés plus probablement à une méconnaissance par les banques de ces nouveaux moyens de paiement, mais aussi par une volonté de protéger aussi leur business. Donc, et de l'autre côté, on a aussi les opérateurs telco qui sont dominants sur certains pays, et donc la aussi, mais d'autres pays comme le Kenya, où on voit donc des opérateurs de mobile money qui sont aujourd'hui dominants et qui ne sont pas forcément pressés d'ouvrir leur ou de donner accès en tout cas à leurs porteurs et à leur large base de clients, de pouvoir donc les envoyer vers des écosystèmes bancaires. Mais ce sont des choses qui par la force des choses sont en train de, disons, d'aller dans le bon sens, avec une interopérabilité intégrale qui est de plus en plus demandée et réclamée par les utilisateurs et par les écosystèmes qui se développent et qui grandissent. Un point qui a été signalé par Gilles, c'est le one-stop shop ou le payment as a service. Donc, tous les acteurs aujourd'hui veulent s'affranchir de tous les freins technologiques et aller très, très vite. Donc, le mot agilité, rapidité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le développement de ces nouveaux moyens de paiement. Et donc, le fait d'avoir des solutions qui permettent d'adresser et d'accepter ou d'émettre ces différents moyens de paiement, que sont la carte, le mobile, l'accès au QR code, au e-commerce avec des cartes digitalisées, ce sont des raccourcis et des opportunités que peuvent offrir ces fournisseurs de solutions à ces nouveaux acteurs, et qui leur permettent d'aller beaucoup plus vite que des banques qui sont peut-être parfois plombées, disons, par une technologie qui évolue plus difficilement, par aussi une régulation et une compliance qui est beaucoup plus contraignante que celle qui peut être proposée donc aux fintech et aux nouveaux établissements de paiement. Donc dans cette dynamique, ou en tout cas cet engouement d'aller vers plus de services financiers digitaux, on a donc différents acteurs qui essayent de protéger leur précaré, de continuer à le développer. Donc, j'ai parlé des schémas internationaux et de la volonté donc des banques centrales de développer des schémas de paiement domestiques. Il y a les payment facilitators et les agrégateurs aussi, les agrégateurs soit de commerçants ou les agrégateurs de facturiers, qui sont aujourd'hui des acteurs incontournables et qui sont dans la chaîne de valeur, en tout cas qui ont un rôle dans la chaîne de valeur des paiements qui n'est pas négligeable. Les institutions de microfinance qui sont très très développées donc en Afrique et qui vont là où justement ne vont pas ou n'iront pas les banques. Donc les institutions de microfinance sont également des acteurs importants dans le déploiement et le développement de ces nouveaux services financiers digitaux. Mais on voit aussi dans des marchés un peu plus matures des acteurs qui viennent du monde du retail ou du marketing, qui sont en train de poser leur brique pour déployer des solutions, soit de fidélité, des solutions de couponing, avec des ambitions bien entendu d'acquérir une base client suffisamment importante pour pouvoir aller plus loin dans le paiement et essayer d'extraire de la valeur de leur base de clientèle. Donc aujourd'hui, la guerre, ou en tout cas le nerf de la guerre, c'est bien entendu de bénéficier d'une large
assiette de clients et de bénéficier surtout de data et de pouvoir donc monétiser cette data et en faire un levier justement de développement de solutions. Donc voilà, différents acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes ambitions ou les mêmes objectifs, qui n'ont pas la même capacité d'aller vite ou d'aller aussi loin à la fois sur le plan géographique et aussi dans les solutions technologiques. Ce que l'on voit aussi de manière, je l'ai dit tout à l'heure, de manière assez remarquable, c'est le développement de l'agency banking, donc les agents dotés de technologies qui permettent d'accepter, de faire du dépôt, du retrait, qui sont les relais justement des banques. Et donc, on le voit de plus en plus des banques qui développent des réseaux de franchisés donc, et qui vont aller passer des partenariats pour pouvoir donner accès aux services financiers de base là où auparavant, elles n'iront pas construire une agence en propre parce que le coût d'acquisition du client ne serait plus compétitif. Alors, à côté de ça, donc, devant cette dynamique, cet engouement sur du mobile money, il faut quand même garder à l'esprit que sur les millions, les dizaines de millions de centaines de millions de wallets aujourd'hui disponibles et ouverts en Afrique, il y a un taux d'activité qui reste encore à développer. On parle dans les marchés matures à des taux d'activité de 25%, c'est-à-dire qu'un wallet sur quatre va faire une transaction donc sur une fenêtre d'un mois, donc c'est le taux d'activité à un mois. Quand on arrive à du 25%, c'est déjà un taux très, 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 très important. Donc, il y a encore des efforts à faire en termes de développement de l'usage de l'adoption et de l'usage donc des solutions de mobile money, donc qui ne peuvent se développer ou se déployer qu'avec des partenariats un peu plus poussés, avec un peu plus donc d'interopérabilité entre les MNOs et le monde des banques. Donc, il y a vraiment de la convergence à trouver entre les intérêts et les ambitions des uns et des autres pour pouvoir favoriser ce développement. Alors, Nadia tout à l'heure parlait de web, on a vu un peu la déferlante web arriver sur la Côte d'Ivoire et sur le Sénégal avec bien entendu une offre qui est extrêmement compétitive donc, et qui arrive à justement répondre aux enjeux d'inclusion financière. Et on l'a dit tout à l'heure, le coût des transactions est un des freins donc pour les populations sous bancarisées ou pas bancarisées du tout. Donc, lorsqu'on a un acteur qui arrive et qui casse les prix, ou en tout cas qui arrive avec une offre disruptive pour favoriser justement cette inclusion financière, on voit un peu l'impact et le potentiel encore à développer. Et on le voit, les chiffres de web sont révélateurs et Web aujourd'hui commence à faire peur ou fait déjà peur à certains opérateurs. Elle les a poussés d'ailleurs à revoir leur business model en Côte d'Ivoire et au Sénégal et certainement dans les prochains pays où elle est en train de préparer son déploiement. Donc on voit bien qu'il y a des coûts de transaction qui restent encore élevés et que voilà, donc en arrivant avec des offres disruptives moins chères, on arrive à changer en tout cas le paysage. À côté de ça, donc ça a des impacts et on l'a vu, il y a eu une levée de bouclier des agents qui ont vu leur rémunération baisser parce que le web n'est pas aussi généreuse que les autres acteurs, mais elle propose quand même un qui est important et avec justement des services à valeur ajoutée ou un service de gestion de la liquidité que les autres acteurs ont eu du mal peut-être à mettre à niveau. Bon, je ne sais pas, Nadia pourra nous en parler, mais vraiment le point fort et l'un des points forts en tout cas qui est relevé sur l'offre de web, c'est par rapport aux agents, c'est justement cette capacité à gérer et à rendre la liquidité disponible dans n'importe quel petit village de Côte d'Ivoire. Et ça, les banques avaient du mal, et même les opérateurs telco avaient du mal
à mettre en place tout ça de manière structurée, avec donc un niveau de service et un niveau de qualité de service, et un customer care Alors, je vais être obligé de jouer avec Timekeeper parce qu'on n'a plus qu'une demi-heure. Ouais. Donc, je vais accélérer. Maintenant, vous avez droit maximum à 1 minute par réponse. Ça marche. Et je vous couperai la parole. Sinon, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on réponde aussi à quelques questions. En tout cas, voilà. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le. Exactement. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur les freins. Tu as évoqué, Mickaël, des fois que la compliance, la régulation, ça pouvait être un frein. Donc, je suis sûr que. Akima va dire pas du tout, la régulation est un accélérateur. Akima, je voudrais que tu nous donnes, encore une fois, 1 minute max, hein, un exemple concret où la régulation demain peut aider justement à mieux structurer ou accélérer ce marché. Vraiment, tu as anticipé, mais véritablement, c'est la réglementation ne peut être qu'un accélérateur parce que c'est un peu aussi dans le rôle des banques centrales, c'est de mettre en place un environnement qui soit favorable au développement du marché et au développement du marché de paiement de manière spécifique. Je l'ai évoqué tout à l'heure déjà, c'était la grosse réforme de 2015, c'est l'introduction des nouveaux acteurs non bancaires qui, grâce à ce réseau de distribution aussi sur lequel ils s'appuient, la réglementation a permis de faire entrer la notion d'agent qui peuvent être le petit commerçant de proximité qui peut offrir des services au nom de l'établissement de paiement. Et ça, en soi, c'est une grosse composante de cette transformation, on va dire. Il y a aussi d'autres réformes qui peuvent participer à cette émulsion, on va dire. C'est aussi cette notion d'agrégation de paiement, les agrégateurs de paiement, les initiateurs de paiement qui peuvent jouer un rôle fondamental dans la refonte des services de paiement. Et là aussi, le rôle de la réglementation, c'est en fait de faciliter les conditions d'accès et les conditions d'exercice d'activité de ces établissements-là. Donc, ça, c'est très important. Il y a aussi d'autres réformes, et d'ailleurs, elles sont là, qui peut-être participera de manière indirecte au développement des paiements. Je donne l'exemple de la réglementation sur le crowdfunding qui vient d'être adoptée au Maroc avec les textes d'application qui sont sortis également et qui peut aussi apporter. Donc, en fait, c'est un ensemble de réformes qui est là et qui participe aussi à mettre en place une base juridique solide, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va permettre d'accélérer le développement des paiements. J'espère que j'ai respecté les 1 minute. Ah, c'est très bon. Gilles, d'un point de vue technologique, est-ce qu'on toutes les briques sont aujourd'hui disponibles ou il y a encore des choses qui doivent arriver dans les mois, années à venir? Alors, tout est toujours en perpétuelle évolution de toute façon, mais effectivement, on est toujours en face à des nouvelles contraintes. Les régulations de chaque pays évoluent en permanence et je pense notamment à la protection de la vie privée, aux protections des données personnelles. On a vu la RGPD en Europe qui avec des systèmes similaires qui sont utilisés dans les pays africains de plus en plus. On a des exigences de souveraineté de la donnée, donc le fait que la donnée ne peut pas quitter, les données sensibles ne puissent plus quitter le territoire national, ce qui parfois, quand on va utiliser des prestataires tiers qui ont des domaines d'expertise spécifiques, mais qui n'ont qu'un cloud en Europe ou ailleurs, peut rendre la chose un petit peu complexe. Effectivement, si on commence à regarder à 5-10 ans, on a de plus en plus de personnes qui envisagent l'utilisation des services digitaux via le Web3. Le Web3 implique une anonymisation quasiment complète lors de l'utilisation des services. Donc, ça rend vraiment très complexe, en particulier dans le monde du bancaire et de la protection contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Ça rend les choses un petit peu complexes. Mais effectivement, les fournisseurs de solutions se doivent d'être au rendez-vous. J'ai parlé d'un dernier point qui est naturellement l'enrôlement, l'accès aux nouveaux services. On ne peut pas avoir d'enrôlement one size fits all, une solution qui réponde à toutes les problématiques. Madame Doche a signalé à juste titre préalablement que l'accès aux documents d'identité, en tout cas la possession de documents d'identité n'est pas systématique
en Afrique. Et donc, il faut des processus d'enregistrement, ce qu'on appelle donc le KYC, le Know Your Customer, qui soit multiple et qui soit adapté à chaque marché. Et donc, effectivement, les éditeurs de solutions et les fournisseurs de services de paiement doivent être au rendez-vous de ce côté-là. Merci Gilles. Michael, tu penses qu'aujourd'hui les business models sont à peu près stabilisés ou que ça va encore changer, bouger, évoluer ? Du tout, là, aujourd'hui les business models sont en plein ébullition. Donc il y a des business models disruptifs comme on l'a vu avec Wave, mais il y en a d'autres aussi. Donc il y a des réflexions qui sont assez avancées sur d'abord pour permettre la baisse des coûts de transactions. On a des acteurs aujourd'hui qui sont prêts à brûler du cash pendant des années pour faire de l'acquisition client. Donc, ils seront peut-être amenés à modifier ou en tout cas à perturber les modèles de business actuels. Le modèle de rétrocession, donc de commission donc d'interchange, est plutôt en déclin et on voit aujourd'hui émerger de nouveaux modèles de commissionnement, notamment au niveau de l'agency banking. À côté de ça, donc au-delà de cette évolution de business model et de stratégie d'acquisition client, et je reviens donc sur la partie gouvernance des infrastructures de paiement de manière générale, il y a vraiment des efforts qui doivent être faits pour faciliter, accélérer donc l'interopérabilité entre les mondes, le monde du paiement mobile et le monde des comptes bancaires de manière générale. Les banques centrales aujourd'hui le font, sont donc très impliquées en tant que catalyseurs, facilitateurs, accélérateurs, mais voilà, il faudrait peut-être aller un peu plus vite donc et suivre donc disons le rythme qui est imprimé aujourd'hui par les fintechs qui ont une capacité et une agilité que les banques ou les banques centrales ont du mal peut-être parfois à suivre. Très bonne transition vers Nadia. Nadia, est-ce que tu trouves que l'écosystème est mature aujourd'hui? Non, je pense qu'en Afrique de l'Ouest, l'écosystème n'est pas mature. Et donc, on parlait justement des freins. Donc, tout à l'heure, je parlais des freins technologiques. Il y a quand même beaucoup de progrès à faire sur la couverture du réseau, sur la couverture Internet, donc la 4G sur l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les États poussent les opérateurs à améliorer cette couverture, mais pour nous, c'est important pour notre progression. Donc, je disais tout à l'heure aussi, c'est vrai que le nombre de personnes qui ont un téléphone aujourd'hui en Côte d'Ivoire est élevé. Par contre, l'accès au smartphone reste encore un frein et un challenge. Les prix ont beaucoup baissé. Donc aujourd'hui, on peut trouver en Côte d'Ivoire un smartphone à 50 euros avec des nouvelles marques qui sont entrées sur le marché. Mais 50 euros, ça reste quand même cher pour beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Et on n'a pas aujourd'hui vraiment, comme au Kenya, la possibilité d'acquérir un smartphone en payant quelques centimes par jour. Donc ça, aujourd'hui, c'est aussi un frein. Maintenant, on parlait de la régulation. C'est vrai que la régulation en 2015 a permis en fait aux fintech de pouvoir se développer et de mettre un cadre pour qu'on puisse opérer dans les différents marchés. Néanmoins, on a quand même aujourd'hui encore des freins par rapport à ça. Donc, tout à l'heure, on en parlait. Aujourd'hui, toute personne qui utilise des services financiers doit être identifiée. Donc, c'est le KYC, Know Your Customer. Et on fait face à un vrai challenge d'identification en Côte d'Ivoire qui nous freine énormément dans cette inclusion financière aujourd'hui. Même si, comme je le disais tout à l'heure, on a justement la BCAO qui permet pour justement cette inclusion financière, de permettre à certaines personnes d'avoir quand même accès aux services financiers avec des limites, bien sûr, en termes de volume, pour mitiger ce risque. Mais bon, c'est quand même un frein pour nous qui est important. Un autre frein qu'on a aujourd'hui par rapport à la fintech, donc c'est vrai qu'on peut aujourd'hui travailler avec un réseau de distributeurs sur le marché, mais aujourd'hui, la BCAO nous impose que ces distributeurs aient un statut de commerçant. Ça veut dire qu'ils possèdent un registre de commerce. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, beaucoup de commerces de proximité n'ont pas accès à ce document. Donc, pour nous, c'est un challenge qui est important. Donc, on est à côté de ces personnes, on les accompagne pour leur permettre d'avoir accès au RCCM. Mais vous imaginez le temps que ça peut prendre pour nous, en fait, de pouvoir accompagner tous ces commerces de proximité dans l'informel à accéder à ces documents. Donc, c'est aussi un frein. C'est aussi un frein pour la démocratisation du paiement marchand. Parce que de même, quand aujourd'hui on veut faire du paiement marchand, les marchands doivent posséder ce document et énormément de commerces aujourd'hui n'ont pas accès à ces documents. Pour un dernier point sur la régulation, si je parle des fintechs aujourd'hui,
pour pouvoir être émettrice de monnaie électronique, on a besoin d'une licence. Donc, on est au Sénégal depuis 5 ans et on vient d'obtenir Sénégal, donc on est évidemment ravis. Mais par contre, on est présent dans plusieurs pays d'Afrique, mais on doit recommencer ce process dans chaque pays où nous sommes présents. Donc, c'est vrai que s'il y avait une harmonisation en fait sur l'acquisition de cette licence, ça nous permettrait aussi de pouvoir opérer plus rapidement dans les pays où nous sommes déjà présents lorsque nous avons déjà obtenu la licence dans l'un des marchés. Pour conclure sur un dernier frein qu'on a aujourd'hui en tant que fintech, c'est l'alphabétisation de la population. Donc, en Côte d'Ivoire, on a 43% de personnes lettrées. Donc, nous, c'est un énorme frein parce qu'on investit beaucoup d'argent pour aller vers la population, les éduquer vers les solutions de paiement digitaux. Donc, c'est vrai que c'est aussi un frein qui est important pour l'évolution des fintechs. Si je me projette dans 5 ans, là, on est en 2027. Alors, par exemple, Nadia, l'apport d'un web ou d'autres fintechs, c'est de sortir une innovation tous les 3 mois. C'est ça le rythme que vous allez imposer au marché? Alors, on est une entreprise très agile et c'est vrai qu'on est, on avance vite. Hein. On a des cycles plus courts qu'une entreprise normale. Alors, la question dans 5 ans, moi je vous dirais qu'il y a 5 ans, on n'existait pas encore. Donc c'est difficile en fait de se projeter dans 5 ans parce que ça avance très vite. Maintenant, ce que je peux répondre par rapport à tout ce qui est innovation sur les paiements digitaux, aujourd'hui, l'offre mobile money, elle est dominée par des produits de première génération qui sont les dépôts retraits, le rechargement de l'airtime, les transferts P2P. Donc, l'innovation, c'est principalement aller vers des produits de deuxième génération comme l'épargne, le crédit et l'assurance que nous, aujourd'hui, FinTech, pouvons faire en partenariat avec des banques ou avec des entreprises d'assurance. Donc, je pense que c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est aussi de pouvoir payer en ligne sans compte bancaire, avec une carte virtuelle pour permettre à toutes ces personnes exclues de pouvoir accéder au paiement en ligne. Aujourd'hui, nous, en tant que, avec la licence qu'on a au Sénégal, donc en tant que émettrice de monnaie électronique, en partenariat avec une banque, on peut aujourd'hui offrir en fait ces services de carte virtuelle. Donc pour nous, c'est aussi ça l'innovation, on va dire, de demain. Et puis, bon, il y a aussi la possibilité de faire des cartes prépayées en partenariat avec des banques, qui sont aussi une innovation. Ça existe déjà sur le marché, mais ça demande plus de logistique. Donc, nous, en tout cas, de notre côté, on préfère aller sur la notion de carte virtuelle. Et puis, demain, l'innovation, ça va être aussi le paiement marchand, la possibilité de payer tout avec les paiements digitaux, de payer au supermarché, de payer sa scolarité, de recevoir sa retraite, de payer ses cotisations. C'est vraiment démocratiser le paiement digital et pouvoir, en fait, tout payer via ce canal. Merci Nadia. Michael, dans 5 ans, je continue la prospective un petit peu. S'il y avait dans ces acteurs un grand gagnant, ça serait qui? Si on se projette dans 5 ans. Certainement des acteurs, donc des payment facilitators ou des agrégateurs comme un peu du style de Wave, il y a Flutterwave, il y a un certain nombre d'autres acteurs qui s'intéressent au marché africain, mais on voit aussi se développer donc sur le plan géographique, donc avec un footprint beaucoup plus important, on voit des switches ou des processeurs qui développent donc des solutions d'agency banking, de paiement, enfin de carte digitale, donc tout ce qu'a dit aujourd'hui, tout ce qu'a dit Nadia à l'instant, donc ce sont des solutions qui sont proposées aujourd'hui par des processeurs, on a Gips, InterSwitch, il y a donc des acteurs comme ceux-là qui ont la capacité de développer et de déployer à la fois des infrastructures de paiement qui soient interopérables, mais également des services marchands, donc des services déployés auprès des agents. Donc, je pense que voilà, donc dans les prochaines années, on va avoir émergé ou en tout cas se consolider donc le l'écosystème avec des acteurs type Wave, mais Wave ne tiendra pas donc avec ce business model durablement. Donc, il y a certainement une stratégie d'acquisition client et d'atteindre une taille critique et de développer donc son empreinte sur des marchés plus importants ou des marchés peut-être moins matures que la Côte d'Ivoire qui présente encore des gisements de revenus importants, mais donc le modèle de business actuel est un modèle quand même relativement disons agressif et violent et peut-être que sur la durée il ne sera pas sustainable, enfin il sera pas ce que j'espère pas, en tout cas j'espère que donc le business continuera pour Wave, mais je pense qu'il y a
une revue en tout cas de du business model qui sera nécessaire. Clairement. C'est la concurrence, comme on dit. Akima, j'ai envie de parler toujours à ce procès à 5 ans. Est-ce que les banques sur le paiement digitaux seront toujours des acteurs importants ou est-ce qu'elles se seront fait totalement sortir du marché par les fintechs et les opérateurs télécoms? Non, pour être réaliste, en fait, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de progrès à faire, à la fois par rapport à ce qu'on voit sur la stratégie nationale d'inclusion financière. Et donc, il y a aussi, au fait, moi, je verrai plus, je parlerai plus d'une meilleure synergie entre les acteurs historiques et les nouveaux entrants pour d'abord allier ce savoir-faire et innovation au service des populations exclues. Il y a beaucoup de choses à faire dans le cadre de, la, l'élargissement de l'acceptation des paiements au niveau aussi des petits commerçants. Il y a énormément de choses à faire au niveau de l'enrôlement, le onboarding des segments par rapport à l'étape zéro de l'inclusion financière qui est l'ouverture de compte, surtout dans les zones les plus reculées et les zones rurales notamment. La réglementation a permis cette ouverture de compte à distance, mais il y a beaucoup d'efforts à faire. D'abord pour expliquer les choses pour les consommateurs et bien sûr adapter des offres, plutôt offrir des offres bancaires adaptées à ces populations-là. Donc, en termes de besoins, en termes de relais digitaux, mais aussi en termes de communication. Et là, je pense que cette synergie-là entre les acteurs classiques et les nouveaux entrants ne peut que se renforcer. Voilà. Merci, Akima. Gilles, tu en as déjà parlé, mais est-ce que le vrai enjeu des 5 prochaines années, ce n'est pas l'interopérabilité? C'est clairement aujourd'hui au centre des préoccupations. Hein. On a certains pays en Afrique qui ont de très très nombreux services qui ne sont pas encore totalement interopérables. Alors je ne parle pas évidemment du Maroc qui a aujourd'hui un système de mobile money avec plus d'une vingtaine d'acteurs qui sont interopérables pour les paiements instantanés. Mais dans de nombreux pays, c'est quelque chose qui est au moins en cours de réflexion, voire en cours de réalisation. L'idéal naturellement, c'est donc de passer par un switch qui va permettre cela. Je pense aussi à l'interopérabilité à l'international, notamment pour la facilitation des services de transfert internationaux, la remittance qui devra être effectuée. Donc l'interopérabilité entre les différents services bancaires et les services de mobile money, non plus à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle d'une région, voire à l'échelle à terme. Continent ou intercontinent. Peut-être que les monnaies numériques de banque centrale ont un rôle à jouer là-dessus. C'est un sujet qui avance lentement, mais qui avance sûrement. De plus en plus de banques centrales, au niveau mondial, 9 banques centrales sur 10 qui ont vocation à lancer à minima une étude, voire plus, autour des monnaies numériques de banque centrale. Et donc, peut-être que ces monnaies numériques de banque centrale pourront faciliter à terme la fluidité, la traçabilité et l'instantanéité de ces échanges internationaux de façon à ce que les flux de rémittance soient toujours plus rapides, plus simples. Ça a été demandé aussi peut-être tarifé moins cher pour pouvoir faciliter la circulation de l'argent. Merci. Il nous reste moins de 10 minutes et avant de répondre à quelques questions que vous avez mis dans les Q&R, on fait des réponses rapides. Moi, j'avais une dernière question pour chacun d'entre vous, mais en une phrase. On a beaucoup parlé des paiements, c'est le sujet, donc je vous en remercie. Mais si on regarde les services financiers mobiles en général, digitaux en Afrique, en une phrase chacun, ça serait quoi, au-delà des paiements, le prochain grand service qui doit être poussé en Afrique ou que vous voyez comme étant la pierre incontournable, la pierre angulaire des services financiers numériques dans les années qui viennent? Akima, donc chacun une phrase. Ou une idée. Phrase, peut-être... Il y a parce qu'il faut pas dire qu'en fait on a tout réussi, mais il y a beaucoup de choses à faire dans le cadre de la dématérialisation des paiements et la réduction du cash. Donc là aussi c'est un grand défi qui va continuer, mais aussi en fait il y a tout le renforcement des services financiers digitaux dans sa globalité. Et là on parle aussi de l'accès
parce qu'il y a, l'offre, l'ouverture de compte, il y a l'accès aux moyens de paiement digitaux, mais il y a aussi les autres services qui vont permettre un certain nombre de choses, notamment l'épargne et notamment le financement, le financement de manière générale, à la fois pour le particulier, mais aussi à la très petite entreprise. Et là, on est dans tous les aspects qui vont faciliter cet accès au crédit, notamment la manière d'évaluer le risque crédit de ces gens-là qui étaient jusqu'à maintenant exclus du système bancaire. Et il y a aussi comment faciliter ce crédit digital. On parle beaucoup de crédit digital. L'épargne aussi, ça c'est très important. Donc c'est toute la composante en fait des services financiers digitaux qui est là, qui est posée sur la table. La phrase était un peu longue, mais merci. Nadia, un service ou quelque chose au-delà dans les années à venir, au-delà du paiement. Ouais, je pense que c'est ce qui vient d'être dit. Hein. C'est vraiment l'accès au crédit qui est quelque chose qui est très important, et puis aussi la possibilité d'épargner et même d'investir hein, pour l'ensemble des populations. Moi, je dirais juste que pour nous, l'ambition, c'est en fait de faire de l'Afrique un continent cashless, hein, sans cash, où tout devient un paiement digital. Et aujourd'hui, le management du cash, ça a beaucoup de contraintes, même pour la BCAO, que ce soit l'impression des billets, le transport du cash, la gestion de la petite monnaie et même la traçabilité du cash, c'est un challenge pour la BCAO, c'est un frein pour les business, pour les gouvernements. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est que ce ne soit pas que du P2P, mais c'est aussi du person to business, du government to person, du person to government. Enfin, c'est vraiment élargir cette notion de paiement digital. Et puis, et pour que ce soit possible, en fait, il faut que le paiement digital ne soit pas plus cher que le. Et c'est quelque chose d'important et vers lequel, en fait, on a mis notre stratégie. Merci, Nadia. Gilles, CBDC, par exemple, pour le prochain enjeu. CBDC, très clairement, on en a déjà parlé. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à ajouter, mais je pense que les CBDC pourront permettre d'améliorer la façon dont les services financiers sont proposés aux différentes populations africaines, parce qu'au final, c'est aussi pour ça que nous tous et toutes nous travaillons, c'est améliorer l'accès aux services financiers aux populations. Et effectivement, les monnaies numériques de banque centrale pourront, et je l'espère, permettre d'améliorer cela et donc de proposer des services toujours plus accessibles, plus simples d'utilisation. Merci. Michael, un service futur. Je suis en ligne avec Gilles. Donc, les monnaies digitales de banque centrale, pour moi, c'est donc pour les 4-5 prochaines années, ça va être un peu un des sujets à la fois de favorisant l'inclusion financière, mais également facilitant donc les transactions cross-border et surtout la réduction des coûts de ces transactions. Et le deuxième volet, c'est tout ce qui est nanocrédit, BNPN, nanocrédit, et dans une moindre mesure, tout ce qui est assurance, donc le couplage crédit-assurance avec, bien entendu, des infrastructures de crédit bureau, de scoring, etc., qui doivent se mettre en place. En tout cas, c'est la tendance. Donc, monnaie digitale de banque centrale et accès au financement de manière digitale. Ensuite, on peut avoir des solutions un peu plus évoluées de finance embarquée, mais bon, vraiment pour des marchés beaucoup plus matures et pour des clients qui sont très tech-oriented ou en tout cas qui s'intéressent à ce genre de choses. Après, donc moi, je suis particulièrement intéressé aussi par tout ce qui est NFT, donc au-delà des CBDC, donc tout ce qui est NFT, tout ce qui est crypto. La blockchain. Et bon, ça, ce sera pour le prochain. on va faire un spécial blockchain. Alors, il y a 5 minutes, il y a 10 questions. Donc, on va essayer de les faire réponse rapide. Alors, j'ai quelques questions pour Nadia. Alors, dont une qui revient plusieurs fois d'un spectateur anonyme ou autre. J'espère que ce n'est pas Arsène Lupin parce qu'ils veulent savoir où est-ce qu'est déposé le cash déposé par les clients. Ah, la gestion de la liquidité. Pour répondre tout à l'heure aussi, Mickaël en parlait, la liquidité, c'est un point qui est très important pour notre succès. Bonne gestion de la liquidité sur l'ensemble du territoire, c'est quelque chose qui est clé. Et c'est là aussi, je voudrais insister sur le fait que les banques sont des partenaires clés pour nous, parce que ce qui est important pour nous, c'est que quel que soit le client, quelle que soit sa localité, dans le plus petit village, qu'il puisse déposer son argent contre des UV
et qui puissent retirer du cash contre des UV également. Donc, c'est impensable pour nous qu'un client ne puisse pas avoir satisfaction, quel que soit l'agent aujourd'hui sur le territoire ivoirien et même dans les autres pays où nous sommes présents. Donc, la gestion de la liquidité, elle est clé. Et aujourd'hui, les banques, en fait, si on n'avait pas un maillage bancaire sur l'ensemble du territoire qui était bon, on ne serait pas aussi bon sur la gestion de notre liquidité. On repose sur les banques aujourd'hui. Ça veut dire que, donc pour répondre à la question, quand un agent dépose du cash, il reçoit en échange des UV de la part de l'agent. À la fin de la journée, l'agent va avoir un certain nombre d'UV, un certain nombre de cash avec lui. Il va, s'il veut des UV en échange du cash, il va aller à la banque justement pour déposer sur notre compte bancaire des UV et ou alors du cash et on va pouvoir lui créditer sur son compte agent des UV. Donc le flux se fait comme ça et le flux est bon quand nous avons des relations très proches avec nos banques. On travaille avec beaucoup de banques, on a plusieurs comptes et aujourd'hui notre succès est aussi lié à nos bonnes relations qu'on a avec le système bancaire. Wave peut-il faire des paiements avec opération de change entre deux pays africains? Alors ça, c'est pour Wave? Oui, Wave, ouais, pour Wave aussi. Il y a deux, trois questions pour Wave. Opération de change, est-ce que c'est possible ou pas? Alors, opération de change, non. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des transferts entre les pays. Donc, on peut faire des transferts entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, on peut faire des transferts aujourd'hui entre le Burkina, de la Côte d'Ivoire vers le Burkina. Alors, j'ai un cas d'étude. Si je suis au marché d'Abidjan et que j'ai un billet de 100, il peut changer 100 fois demain et garder sa valorisation de 100. Mais si je fais passer 100 fois une valeur de 100 à travers des paiements digitaux, que ce soit web ou paiement mobile, bien sûr, qui me coûte chacun 1%, qu'est-ce qui reste à la fin? Quelqu'un veut-il réagir? Je ne sais pas si, si quelqu'un peut répondre à la question. Moi, j'ai envie de dire que, de toute façon, l'intérêt aussi des paiements digitaux, c'est que ce n'est pas forcément en physique. Il y a aussi l'ubiquité, on peut être aussi à distance. Donc, quelque part, le service n'est pas tout à fait le même. Il y avait une dernière question peut-être sur la Côte d'Ivoire, donc je la pose aussi à Nadia, alors c'est très précis. Hein. Les réseaux indépendants, donc apparemment 15 000 agents en Côte d'Ivoire, sont-ils exclusifs? Alors non, ils ne le sont pas tous. On a des agences propres, donc évidemment qui sont exclusives, parce que ça nous permet aussi dans différentes localités de Côte d'Ivoire, de pouvoir gérer notre liquidité et aussi la qualité du service. On a des agents qui font que Wave, mais on a la majorité de notre réseau qui sont multiservices. Aujourd'hui, ce qui est important, le multiservice, c'est important pour l'agent. Aujourd'hui, l'agent, pour avoir des revenus, on va dire, plus importants, c'est plus pertinent aussi pour lui d'avoir l'ensemble des réseaux. Donc ça, c'est côté agent. Côté utilisateur, la notion de confiance que l'utilisateur a vis-à-vis de l'agent est clé aujourd'hui dans les marchés africains. Donc souvent, l'agent qui est la référence du quartier pour faire du mobile money fait l'ensemble des services. Donc aujourd'hui, c'est pertinent, en fait, même pour l'utilisateur, d'aller à un agent qui fait tout, en se disant que si les tarifs sont les mêmes, s'il y a un problème sur un réseau, je peux faire un transfert sur un autre. Donc, même on n'a pas d'intérêt aujourd'hui d'avoir un 100% du réseau exclusif, car on perdrait aussi une partie des utilisateurs. Et peut-être une dernière, pour toi d'ailleurs, c'est une minute de temps. Je pense que tu as déjà répondu, hein, quels sont les principaux défis barrières auxquels Wave est confronté sur ces marchés? Je pense que tu as répondu, sauf s'il y en a un que tu pouvais rajouter. Mais je pense que ça a déjà été fait. Non, principalement. Pardon? Principalement, c'est les barrières que j'ai dit tout à l'heure. Oui, d'accord. Bon, ça confirme. Alors, j'ai quelqu'un, alors peut-être pour Mickaël ou pour Gilles, là, nos fans des crypto-monnaies et des CBDC. Vu l'augmentation de la digital money et de l'arrivée des CBDC, crypto-monnaies et compagnie, est-il toujours judicieux de continuer à essayer d'augmenter la bancarisation des populations ou ne serait-il pas plus judicieux de se focaliser sur un leapfrog et de pousser les fintechs tout en régulant les transactions? Je peux déjà donner un début de réponse. Ouais. Je pense que l'un n'empêche naturellement pas l'autre. Hein. Tout simplement, la bancarisation au sens large, c'est l'accès à n'importe lequel des services financiers, que ce soit via un institut de microfinance, un compte bancaire, un compte de paiement pour les établissements de monnaie électronique. Je pense que l'objectif, c'est surtout que les personnes ne soient pas exclues des services financiers. Alors évidemment, chacun va un petit peu prêcher pour sa paroisse, mais les éditeurs de solutions de solutions de paiement qui sont peut-être un petit peu neutres là-dessus, et moi qui travaille pour un, on pense que l'important, c'est l'accès aux services financiers et à terme, évidemment, l'interopérabilité entre ces différents services. Il y avait une question sur quelles solutions faut-il envisager pour donner l'accès au crédit digital en Afrique. C'est un peu un des sujets à évoquer à la fin, je pense. C'est un peu l'idée de dire il faudra peut-être que demain, il y ait aussi des accès au crédit digital, enfin, cela dit, je pense, et à qui ne me dira pas le contraire, qu'il y a un vrai enjeu de régulation derrière.
Tout à fait. Donc, il y a effectivement donc, des enjeux de régulation. Il y a les banques qui doivent peut-être regarder avec moins d'appréhension ces nouveaux services. De toute façon, elles ont dans la boucle, elles seront fatalement et forcément intervenantes, ne serait-ce que pour fournir le financement. Mais bon, il y a des acteurs aujourd'hui qui sont capables de déployer ces services de lending, enfin de prêts digitaux à moindre coût. Ça peut être intéressant pour l'ensemble de l'écosystème. Donc, il y a effectivement un sujet de régulation, il y a un sujet d'accès à la donnée, donc notamment pour pouvoir scorer, pour pouvoir répondre instantanément à des demandes de crédit, même si c'est des demandes de nano-crédit, il faut quand même qu'il y ait des dispositifs de scoring qui tiennent la route, et beaucoup d'initiatives au niveau des banques centrales sont aujourd'hui en cours pour doter donc les pays de ce type de solutions, de crédit bureau notamment. Donc voilà, donc si ces ingrédients-là sont réunis, ça peut donner donc un vrai coup de boost donc au financement et bien entendu au développement de Écoutez, on avait commencé avec 5 minutes de retard, on termine avec 5 minutes de retard, donc on a fait 1h30. Merci beaucoup, c'était très riche, très intense, même si j'ai dû vous pousser un petit peu à la fin. Alors, en tout cas, merci beaucoup. On voit que c'est un vrai sujet, qu'il y a plein d'enjeux. C'est pas si facile que ça, mais bon, c'est aussi lié à l'importance de ces sujets, notamment d'inclusion financière. Donc, Akima, Nadia, Mickaël, Gilles, un grand merci à vous pour vos contributions. Je vous souhaite de bonnes vacances parce que c'est bientôt la coupure estivale pour beaucoup d'entre nous. Et prochaine commission digitale, ce sera fin septembre, sur les sujets des réseaux télécoms, 5G, réseaux neutres et compagnie. Je crois que c'est le 29 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Et encore une fois, un grand merci à nos intervenants. Au revoir. Merci. Merci à Au tous et revoir à à toutes. tous. Au revoir. Merci, bonne journée.